Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour mes amours de Rosé Rosé. Bonjour les sympathisants. Bonjour à tout le peuple camerounais. Bonjour à toute l'Afrique. Bonjour à tout le monde entier. Connectez-vous, partagez le direct. C'est la matinale café chez la Rose africaine du 237. Ce matin, nous allons parler de l'affaire la voyante Laure Kameni qui fait jaser sur la toile. Voilà, j'avais pas encore dit donner mon point de vue là-dessus. Et ce matin, je vais vous entretenir pratiquement pour une heure de temps et je vais donner mon point de vue. Connectez-vous et partagez massivement le live. C'est votre Rose africaine du 237. Toujours dans la joie. Bon, pendant que vous vous connectez et que vous partagez le live, moi je vais me préparer ma tasse de café. Écoute-moi, you are the living God. Et c'est normal, like you. You are the living God, oui. Et c'est normal, oui. Bon, je vais préparer ma tasse de café, le temps que vous partagez le direct, et puis je vais venir partager aussi. Connectez-vous, partagez. Il est 8h05 à 9h05. J'arrête le direct pour aller chercher mon jet. Moi, je commence à 10h30, donc... commence à 10h30. On avait un panda. On était pour partager. Partagez le live, j'arrive. Partagez, j'arrive, partagez.
Alors, je suis là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je partage aussi. Hein. Connectez, vous partagez. Je dis merci à ma rose qui m'a offert ce rouge à lèvres. Il me va très bien. Ouais. Merci. C'est un rouge à lèvres clinique. Il m'a été offert par une de mes roses. Elle ne veut pas que je cite son nom. Et je l'ai déjà remercié personnellement inbox. Merci à ma rose qui m'a offert ce rouge à lèvres. Il me va vraiment à merveille. Et donc, je vais partager aussi. Je partage aussi. Hein. Alors, Naloumé, Nalobadoua, Tete, Yanguia, Messeye, Moué, Kera, Moïna, Wassé, Oye, la Mambo, Mamene, Namama, Simene, Naloumé, la Ecclesia, Yendewa, Ya Catholique, Naya, Apostol, Nama, Poussele, Nadou, Serende, Doué, Mamene, Pene, Timbale, Loubé, Oboka ise balonge na baweli leto jani ala odisi mende benesuwe nalube nalube nalabaruwa. Vous ne pouvez plus publier pendant 24 heures dans les groupes, voilà. Donc on m'a bloqué les partages ici. Ce n'est pas grave. Mais il y a quand même partagé un peu. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Connectez-vous. Bon, moi, j'ai partagé ce que je pouvais. Là, je ne peux plus partager. Je suis limitée au partage. Donc, vous continuez le partage là-bas. Partagez. On n'a pas assez de temps. Vous voyez que nous d'autres, on n'est pas comme d'autres là. Que eux, ils ont le temps. Quand ils lancent le direct, ils ont le temps de s'asseoir. Voilà. Voilà. Nous, on n'a pas le temps. Donc, quand ils lancent comme ça, mamie, les mamies, ça. Et les papisas,
les roses et les rosées de mon jardin. Hein? Plus de sympathisants. Quand vous entrez là, partagez seulement. Hein? Parce que si je n'ai pas regardé les partages, là, vous êtes 21 personnes. Je suis sûr que il n'y a pas 21 likes, il n'y a pas 21 partages. Hein? Donc si chacun de vous qui entrez dans le live essayez de partager, en chemin, on va aller loin. Mais vous, il faut tout que on vous supplie que ouais, partagez. Ouais, partagez. Arrêtez un peu, bien fait. Même pas arrêter. Vous voyez là, il a que 18 partages. Je suis sûr que les 18 partages sont mes partages que moi j'ai fait. Hein? Il a que 18 partages. Et je suis sûr que les 18 partages, c'est les partages que moi j'ai fait dans les groupes. Il n'y a qu'un seul like, c'est mon like. C'est-à-dire que voilà le direct. Donc tous les jours, on va vous répéter ça là. C'est-à-dire que voilà le live. Vous voyez le live ici là. Hein? Coucou Bertrand Chixomon, mon ami, comment tu vas? Voilà le live ici. Vous likez le live, vous entrez à l'intérieur et puis vous partagez. Bonjour Maro, je suis restreint. Je ne peux pas partager, j'imagine. Moi-même, il vient de me restreindre là. Sur les partages là. Oh, et j'imagine que beaucoup aussi sont mis comme ça. Tout ça parce que les gens signalent nos pages. Les gens signalent nos pages et on nous restreint. Si elle n'est pas les gens, pourquoi? Hein? Ce rouge à lèvres est très beau, je l'aime. Bam! Vous êtes à 22, moi, il commence. Les autres vont se connecter au fur et à mesure et partager aussi. Quand vous entrez, vous partagez. Ne venez pas seulement écouter le soco. Vous partagez. Partagez même dans les inbox. Même dans les inbox, vous pouvez partager. Même dans les inbox, vous pouvez partager. Donc, partager, partager, partager. On a passé de temps. J'ai maximum une heure de temps. Donc, sans plus tarder, je vais lancer mon direct. Je vais commencer mon direct. Je vais d'abord commencer par un coup de gueule. Un coup de gueule. Franchement. Hé! Ouais! Peuple camerounais. Peuple camerounais. Quand est-ce que vous allez arrêter? Et comprendre que. Diad Wadissima Kakad Bomba. Quand est-ce que vous allez arrêter? Et comprendre que. Diad Wadissima Kakad Bomba. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Là, je l'ai dit en douala, en ma langue vernaculaire, qui est le douala. Je vais vous expliquer ce que j'ai dit en français. Diad Wadissima Kakad Bomba, c'est-à-dire qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Il faut tous les deux mains pour pouvoir attacher le paquet de cookies. Parce qu'une main va tenir le fil et l'autre main va essayer de rassembler le. C'est-à-dire, avec les deux mains d'abord, avec les deux mains, vous allez essayer de rassembler la feuille du cookie comme ça, là, pour que ça fasse comme ça. Hein? Pour que ça fasse comme ça. Et maintenant, vous allez le rassembler. Et puis maintenant, avec l'autre main, vous allez prendre le fil. Et avec l'autre main, vous allez tenir. Et puis, vous allez attacher le cookie. Une seule main ne peut pas attacher le coquille. Diad Wadissima Kakad Bomba. Voilà. Pour ceux qui aiment la langue douala et qui ne savent pas parler, qui ne savent pas la parler et qui aimeraient, voilà un nouveau mot que je vous ai appris ce matin. Diad Wadissima Kakad Bomba. Voilà, quand je dis ça, je dis, c'est-à-dire que je pète d'abord un coup de gueule. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça dit que vous vous asseyez parce que vous avez déjà tout fait à une personne. Vous avez déjà tout dit à la personne. La personne ne vous gère pas. La personne n'est même pas au courant de vous. Cette personne, c'est bien moi. La personne n'est pas au courant de vous. Vous avez spéculé. Vous avez raconté de tout et de rien.
Je suis pas au courant de vous, je vous gère pas. Mais ça suffit pas. Parce que vous avez d'abord dit que mon cher époux, ma moitié, le sucre de mon tapioca serait parti. Il allait prendre une jeune fille du village. Elle serait même enceinte. À votre grande surprise, monsieur était à la maison. Voilà. Ça n'a pas suffi. Vous avez continué en disant que quoi? Que maintenant, oh, j'entends dire que ce n'est pas lui. Celui que je montre là maintenant, là, ce n'est pas lui. À ce point-là, merde. Mais vous êtes grave. Non, mais vous êtes grave, les Camerounais. Non, carrément, hein. Mais avec une aisance, avec une sûreté, non, l'homme que je présente aujourd'hui ne serait pas celui qui était là depuis. Je suis avec mon homme depuis 2017. Depuis 2016. Lui et mon enfant. 2016. C'est la même personne. Apparemment, ce ne serait pas lui. L'autre était un jeune homme très raffiné, très soft, avec sa petite barbe comme ça. Ouais. Donc celui que je présente là maintenant, ce n'est pas lui. Waouh. Waouh. C'est-à-dire que les gens parlent de ta propre vie. Toi-même, tu t'assois, tu écoutes. Tu dis que, okay, c'est tout de ma vie là. C'est de ça que vous parlez comme ça. Tu mets les mains sur la tête que, ouais. Apparemment, le père des rosés, les rosés. Bonjour mon frère chéri, bonjour. Bonjour mon frère chéri, Jean-Jacques Dédé. Hein? Apparemment, mes roses et mes rosés, votre le père, que vous connaissez depuis 1900 francs, apparemment ce n'est pas lui que vous voyez là ces jours-ci. Ce sera quelqu'un d'autre. Parce que lui, il est parti. Ça veut dire que moi, je suis une belle femme. Ah ouais. Là, vous confirmez quand même que à guerre de power. C'est-à-dire qu'il parle, j'entends parler. Ça veut dire qu'à guerre de power. Sauf que dommage pour vous, je ne suis pas une femme volage. Je ne suis pas une femme frivole. Je peux avoir tous les défauts du monde. Mais le côté là seulement, non. Je suis une femme très fidèle. Ah oui. Et c'est ça qui fait ma force. Je suis une femme. Ça veut dire que moi, j'ai fini même avec la fidélité. Ah, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que j'aurais appris. Que mon mari est parti et que celui que je montre là aujourd'hui, ce n'est pas celui qui était là avant. C'est ce que moi j'ai appris. Que moi-même, je n'étais pas au courant. Mais bon, comme les rosés, mes roses et mes rosés, ceux qui me suivent depuis des années, ils connaissent l'air le père. Donc, comme mes roses et mes rosés qui me connaissent depuis la nuit des temps, ils connaissent bien l'air le père. Donc, moi, je n'ai même pas à me justifier, je n'ai même pas à vous expliquer que mes roses et mes rosés, là, ils connaissent l'air le père. Voilà. Et il n'a pas changé, il est tout le même. Bonjour ma Sandra Chou. Donc, quand j'ai dit ça, on passe directement au vif du sujet. Il paraît que nous avons une sœur. Je dis que j'ai les étrangers ici à la maison. Ça dit que la maison, si nous appartient à deux. Dès que j'ouvre la porte comme ça pour changer d'air, ils entrent. C'est-à-dire qu'on paye les factures ici dans cette maison à deux. Et j'ai horreur de les voir. Quand je les vois, j'ai seulement envie d'aller finir avec eux. Vous pouvez imaginer de qui je parle. On les appelle comme mouches.
C'est quelque chose que je ne supporte pas. J'ai horreur de les voir. Qui veut parler? Ouais, ma Sandra, je suis sûre que c'est toi. Ma, laisse-moi au moins d'abord parler. Ma Sandra, pardon. Ma, reste là, attends là-bas, il parle. Je te dis que. Oh! J'ai horreur. Et ils savent souvent te narguer. Ils entrent chez toi et puis ils viennent, ils passent devant. Comme ils savent que je n'aime pas les voir, il va venir passer devant moi, il va faire fiam! Non. Donc, revenons à nos moutons. Revenons donc à nos moutons. Il paraît qu'on a notre soeur. C'est les réseaux sociaux, c'est Facebook. On a une soeur là, au nom de Laure Kameni, qui était dit qu'une soeur de Laure Kameni qui a des visions. Elle est voyante, je ne sais pas si elle est voyante ou elle est visionnaire, elle est, je ne sais pas quel nom donner, ou elle est promonitrice, on appelle ça que quoi, que promonitrice, ou c'est prévoyante, je ne sais pas, trouvez un nom là-bas, vous donner. Mais c'est que moi je vais vous dire que cette dame, hein, je suis partout avec ton téléphone. Merci, oh. Cette dame, cette soeur-là, moi, je ne sais pas d'aujourd'hui que je la connais. Je suis cette soeur depuis. Voilà. Avant, je pense même que j'étais abonnée sur sa page. Avant, je suis cette soeur depuis. Elle se présentait avant comme la fille de papa Pékin Michel, quelque chose comme ça. Elle disait souvent. Oui, elle a toujours dénoncé ce côté obscur, obscurantiste. J'ai envie de parler le bon français ce matin. Elle a toujours dénoncé ce côté obscurantiste qui existe d'ailleurs, mais que certains veulent faire comme si, ah non, et vous exagérez, ça n'existait pas, et tout ça là, c'est des conneries, et machin. En Afrique, on ne peut plus réussir. Ni, 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 ni. Quand on réussit, vous allez tout dire qu'on a trempé. Ou bien c'est trempé quoi? Ou c'est les habits que vous trempez. Moi, je ne sais pas. C'est qui est sûr que quelque chose vous trempez. Alors. Ce côté obscurantiste qui approche les esprits faibles. Alors, moi, je mets ça un peu dans le sens que c'est une mafia en fait. Moi, je considère ça comme une mafia. C'est un peu comme un fait. Vous voyez, non? Voilà les gens qui sont capables de vous raconter une histoire. Une histoire qui va ressembler un peu à votre vécu. Et vous, vous allez y croire. Parce que ça ressemble un peu à votre vécu. Parce que ça ressemble un peu à votre vécu. Donc vous allez y croire. Parce que vous êtes un esprit faible. Et c'est comme ça que vous allez commencer à cultiver ça, cultiver, cultiver. Et aujourd'hui, comme on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus la patience d'attendre l'heure, le moment juste dont Dieu a décidé que son étoile doit briller. Nelly Kameni, bonjour. Parce que nous tous, Dieu nous a créés avec des étoiles. Nous avons tous des étoiles. Mais sauf que nos étoiles-là, chacun de nous a son étoile, mais nos étoiles ne brillent pas au même moment et à la même façon. C'est seul Dieu qui est le détenteur du moment que lui, il veut pour faire briller ton étoile.
Voilà. Quand je reviens aux révélations de notre sœur Laure Kameni. Laure Kameni, c'est une dame que moi je suis depuis. Elle a toujours fait des révélations comme ça. On dit quoi? Pro quoi? Écrivez un peu le mot là en français. Les promonitoires, comme ça là. Et certains se sont avérés. Certains se sont avérés. Je me rappelle que j'ai commencé à suivre cette femme. C'était quand Gigi Arafat est mort. C'est là où je l'ai découverte. Elle est sortie exactement comme elle est sortie là. Concernant notre frère, jeune frère, qui est passé de vie à trépas dernièrement. Des prémédictions. Merci beaucoup. Des prémédictions. Merci Bertranchi. Donc, c'est quand Gigi Arafat est morte que j'ai découvert cette dame. Elle a commencé à parler les mêmes choses. Elle a commencé, même chose comme elle fait pour notre jeune frère qui est dernièrement qui est passé. Après un accident tragique, elle est passée de vie à trépas. Donc, elle a commencé pareil. Et elle a dit que 2 ans après, il y a le Golden Boy, Ahmed Bakayoko, qui allait suivre. Parce que d'après elle, hein, les Ivoiriens venaient doucement. Hein, d'après elle, le Golden Boy, Ahmed Bakayoko, père son âme, lui aussi, connaissait quelque chose concernant. Parce que c'était lui qui avait parrainé le feu Gigi Arafat dans cette secte prémissieuse. C'est ce qu'on dit, non, prémissieuse, c'est prémissieuse. C'est une coïncidence, ma rose. Je ne dis pas non. Je n'ai pas dit que c'est vrai ou c'est faux. J'ai dit que parmi les choses qu'elle a dit, il y en a certaines qui se sont avérées. Voilà. Alors, quand moi je dis ça, j'ai dit, je ne jette pas en bloc tout ce que dit notre sœur Laure Kameni. Mais au contraire, je profite de ce que dit notre sœur Laure Kameni pour encore sensibiliser cette jeunesse. Les sensibiliser dans quel sens? Dans le sens de ne pas être pressé et de ne pas se faire berner. Parce que pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que cette jeunesse qui est souvent très pressée là, pressée à réussir, pressée à arriver, pressée à atteindre le sommet, on les berne souvent. Parce qu'on les fait croire que leur talent que eux ils ont, c'est une certaine personne qui leur donnerait qui les ferait arriver à un sommet quelconque, alors que c'est leur propre talent. C'est leur étoile à eux. Je ne sais pas un peu si je me fais comprendre, hein, parce que chacun de nous a son étoile. Mais il y a les gens, donc c'est un peu comme la fémania en fait. C'est un peu comme, je ne sais pas comment vous expliquer. Je vais vous prendre un peu un exemple, comment est-ce que les fémanes fonctionnent. Vous voyez par exemple le féman, parce que moi j'ai eu à côtoyer certains fémanes. Voilà. Le féman va venir voir quelqu'un qui a de l'argent. Voilà. Et il va dire à cette personne que, tu sais, moi je peux te... Je multiplie de l'argent parce que j'ai des produits, je travaille avec certains organismes, des produits chimiques là où on fabrique de l'argent. Oui, donc j'ai souvent l'opportunité de sortir certains produits de là. J'ai souvent l'opportunité de sortir certains produits de là
je peux te fabriquer de l'argent, je peux te multiplier l'argent, qui vont faire en sorte que ton chiffre d'affaires va encore augmenter. Et vous savez que les gens qui ont les dos là, c'est les gros gourmands. Comme il a les dos là, il veut toujours avoir. Dès qu'il va entendre ça, il va dire que, hein, papa, tu vas faire que la chose est là comment? Il dit que si tu veux, là, je suis même venu avec un petit produit. Il va te sortir un petit flacon comme ça là. Voilà ça ici. Si tu veux, prends même, donne-moi même un billet de 100 euros là. Tu apportes un seau d'eau. Je vais te multiplier les 100 euros si tu vas voir que je vais te sortir un autre billet de 100 euros. Donc là, 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 sur place, tu auras 200 euros propres. Ne vends pas la mèche de quoi. Donc c'est comme ça alors que le mougou sera fictionné par curiosité. Il va dire que pour demander s'il a, il pense que il peut me donc par curiosité il va dire que bon, je vais voir l'affaire là. Le mougou va aller choix. Et ma rose africaine, Sandra est dans tous les directs. Alors, Sandra est libre d'être là où elle veut. Je vais arrêter Sandra. Okay. Sandra est libre d'aller là où elle veut. Donc, c'est comme ça que le mougou va se lever, va dire que, par curiosité, va dire que le mougou demande s'il pense. Je vais voir ton affaire là aujourd'hui. Le mougou va aller choix. Un goma. Il va venir, il va dire que montre-moi l'affaire là ici aujourd'hui. Vous aimez souvent entendre que. Vous aimez ya que. Le grec-man va lui dire que, ok, apporte-moi un seau d'eau. Tac-tac, il va aller dans sa voiture, tac-tac, dans sa moto, tac-tac, il va prendre la blouse blanche. Il va mettre sur lui. Les blouses blanches là sont souvent, elles les longues manches comme ça là. Hein? Brice, bonjour. Les blouses blanches là sont souvent avec les longues manches comme ça. Il va mettre sa blouse blanche. Il va venir là. Hein? Il va prendre le seau d'eau. Il va mettre le produit. Entre-temps, le Grecman, dans sa blouse blanche là, dans l'autre bras de la blouse blanche, il y a la Shiba, un autre ngoma dedans. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il a la Shiba, un goma, pas un goma dedans. C'est comme ça que dans le seau d'eau là, devant le mougou, il va prendre, il va mettre le produit, ta, 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 il va choisir les ngoma du mougou, papa, il va mettre dans le seau d'eau, papa, papa, il va mettre ses mains dedans comme ça. Entre-temps, le billet du mougou, il prend ça, il noie ça là-bas. Et après, maintenant, il fait comme ça là. Il fait tac, 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 tac. Oh, il sort encore. Entre-temps, il fait comme ça. Et maintenant, il sort son billet qu'il avait Shiba là-bas de l'autre côté. Il fait tac, 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 tac. Il sort ça comme ça là. Il fait comme ça. Il fait les deux billets comme ça. Il fait les deux billets comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Après, il dépose. Il demande à Mougou que tu as le faire repasser. Mougou dit que il faut un peu coder en français. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire, non? Donc c'est comme ça qu'il va demander au Mougou que tu as le faire repasser. Le Mougou va lui bring le faire repasser. Il va faire comme ça là. Il va faire comme ça. Propre. Il va donner au Mougou que prends. Va bailler quelque chose avec. Va bailler. Quand le mougou va aller bailler, le mougou va voir que, hey, mais c'est le popo. C'est le popo. Maintenant, c'est le mougou qui va commencer à le faire là. C'est le mougou qui va le fatiguer maintenant, son phone que, hey, mais l'affaire là est vraie. C'est comme ça que le Grecman va élever les enchères. Revenons dans le domaine des charlatans. Des voleurs de toile, parce que moi je les appelle les voleurs de toile, les gens qui volent les efforts des autres, mais ils font ça avec
les faibles d'esprit. Vous comprenez? Voilà les gens qui mettent un truc sur pied, un genre de système. Non, vous savez, et toi, tu es bête. Tu viens tomber sur ça. C'est lui qui est en train de l'utiliser. Hmm? Et ils vous font faire quoi? Des bêtises et des conneries. Ouais. Et vous, vous croyez à ça? Par exemple, l'histoire de qu'on dit que vivre heureux, mourir jeune, là, vivre heureux, mourir jeune, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc, un groupe de personnes va mettre sur pied un truc pour voler vos efforts, pour vous utiliser, parce que vous allez travailler le double. Ils vont vous faire signer les contrats. Quand ils vont faire signer le contrat, là, si tu donnes 1 million, lui, il a gagné au moins 3 millions dedans. Hein. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Le contrat qui va te faire signer, si tu donnes 1 million, lui, il a gagné au moins 3 millions dedans. C'est ton étoile. C'est tes efforts. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Hmm? Et entre-temps, ils vont encore vous mettre, marteler les choses dans la tête. Que oui, voilà les conditions de ceci. Il n'en est rien de tout ça. Il n'en est rien de tout ça. Et toi, quand cette période est en train de commencer à approcher, tu commences à vivre le stress. Parfois même, c'est le stress qui les tue, ces gens. Tu commences à vivre le stress parce qu'on t'a dit que oui, tu sais, ça sera à telle période. Tu vas devoir aller travailler l'argent là. Travailler ça où? Hmm? Donc tout ça, c'est des mafios, c'est des gens. Rebelons sur, par exemple sur les charlatans là. Les charlatans. C'est charlatans de merde là. Le charlatan, tu vas entrer chez lui. Parce qu'on les appelle les marabouts, les quoi là. C'est des charlatans. Tu vas entrer chez lui. Hmm? Il va d'abord lire dans ton expression. Parce que quand vous partez, c'est comme quand tu pars voir le médecin. N'est-ce pas, quand tu pars voir le médecin, tu expliques ta maladie au médecin. Hmm? C'est comme ça que quand tu vas entrer chez le charlatan, ça dit qu'il essaie de te donner quelque chose qui ressemble à ta vie. Et toi, tu vas trouver que dans ça, il y a des choses qui coïncident. Et tu vas dire qu'il est fort. Il n'est rien fort. Il n'est rien fort du tout. Après, il va te dire que oui, je peux te guérir. Oui, je peux te sortir de là. Oui, c'est ton oncle même. Ton oncle, le petit frère de ta mère là qui te bloque. C'est le petit frère de ta mère là qui te bloque. Mais moi, je peux te libérer ça. La malchance qu'il a mis sur toi. Je peux faire qu'il enlève ça. Que je peux enlever ça. Dépose-moi seulement 50 000 ici. Et après, tu vas l'acheter la poule blanche. Et tu achètes le parfum des Aboussa. Tu achètes le quoi, quoi, quoi. On va vous donner les conditions. Il va te dire que oui, tu vas te lever le matin très tôt. Oui, quand tout le monde dort encore, hein, tu vas laver ton pétou en plein quoi, en plein rue. Tout ça, c'est des conneries. Il n'en est rien de tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, je rejoins un peu Laure Kameni dans ce sens-là. Que il faut quand même sensibiliser la jeunesse. Des esprits faibles de ne pas tomber dans ce genre de conneries. Savoir que chacun de nous a son étoile et c'est à toi de développer ton étoile, de booster ton étoile. Et si tu n'es pas intelligent, plus on va voir, ton étoile va commencer à briller. Les voleurs d'étoiles vont sortir de partout. Ces gens-là, on vous dit que wow, les balojos, c'est des voleurs d'étoiles. C'est des voleurs d'étoiles. Donc, restez loin d'eux. Développez vous-même votre mind.
Si vous brillez, c'est vos efforts personnels. Parfois, eux, ils viennent s'accaparer de vos efforts et vous faire croire que c'est eux qui vous font faire, alors qu'il n'en est rien. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Sandra veut parler. Sandra vient alors. Alors qu'il n'en est rien de tout ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ou pas? Mais je ne vais pas quand même parler seule. Il faut participer dans le direct. Participez, vous êtes 38 personnes là connectées. Essayez de participer dans le direct. Apportez aussi vos points de vue. Hein? Apportez vos points de vue. Parce que moi, je ne crois pas à toute cette connerie-là. Moi, je crois que c'est les efforts du travail de chacun de nous qui font de nous des personnes respectables, des personnes bien placées dans la société. Si tu ne fais rien, pourquoi ces gens ne vont jamais vers... ça dit que ces gens-là, ces gens... De ces loges, de quoi, ces sectes, machin, tout là. Pourquoi ils ne vont jamais vers les gens? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien, qui ne fait rien dans sa vie, pourquoi il ne parle pas bien tout seul? Pourquoi quand tu commences là dans la vie, que tu souffres, tu pousses, tu vends l'eau glacée, tu vends ceci, pourquoi ils ne viennent pas vers toi? Pourquoi ils viennent tout vers toi, quand après avoir vendu l'eau glacée, après avoir lavé les voitures, après avoir fait l'OPEP, après avoir fait tous les petits trucs, et maintenant, tu as peut-être ouvert un magasin, un petit magasin, tu es à un deuxième magasin, tu as un troisième magasin, c'est là où tu les vois, ils commencent à venir vers toi. Pourquoi quand tu as tes débuts, là, pourquoi ils ne viennent pas vers toi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ils ne viennent pas vers ces gens-là à ce moment-là? Pourquoi ils viennent tout vers eux quand ton étoile est au sommet pour te faire croire que, c'est-à-dire que tous tes efforts que toi tu as fait jusqu'à ce que tu es arrivé là où tu es là, qu'il n'en est rien, que c'est maintenant lui qui va faire que. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse à ça? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse à ça? Hein? Participez dans le direct. Emma, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat, hein? C'est pas un monologue. C'est un débat. C'est un débat. C'est pas un monologue. Même comme je vais pas tarder à partir. C'est un débat. Donc moi, je dirais plutôt que au lieu de venir dire que wow, non, la soeur ment, la soeur raconte des conneries, prenez plutôt le message de la sœur et essayer de sensibiliser cette jeunesse qui a aux esprits faibles, qui ne croit pas en elle-même, à son potentiel, à son talent, et va se laisser berner par ce voleur de toile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que voleur de toile là, oui, parce que c'est des voleurs de toile. C'est des voleurs de toile. Ils vous font
Ils vous font faire des choses bizarres, des choses bêtes. Et ceux qui soi-disant partent dans le Bénin. Hein? Donc c'est un cercle vicieux de certaines personnes qui sont seulement là pour vouloir assujettir d'autres. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Donc il faut éveiller la conscience. Éveiller la conscience, c'est quoi? Demander à la jeunesse, à chaque être humain, même pas seulement à la jeunesse, parce qu'on ne baigne pas que la jeunesse, on baigne aussi les grandes personnes. Moi, je vois ici là les mamans, les mères de famille, les mères de famille parfois qui sont capables de, c'est-à-dire que de mourir pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas voir une mère de famille, et elle a tous les problèmes qu'elle a chez elle. Parfois, ses factures ne sont pas payées. Parfois, tu pars ouvrir son frigo, son propre frigo est vide. Tu vas faire ceci. Mais, parce qu'elle suit quelqu'un dans les réseaux sociaux, parce qu'elle est fan de quelqu'un dans les réseaux sociaux, maman, elle va porter ses miettes pour donner à cette personne. C'est un manque de confiance en soi. Donc, il faut sensibiliser. Dans ce sens-là. Il faut sensibiliser, il faut parler à la jeunesse. Il faut parler. Tu vas voir quelqu'un, tu fais tes efforts. Hein? Tu fais tes efforts, tu travailles, tu gouilles, tu fais. Mais quelqu'un va venir te faire comprendre que si je te fais ceci, je vais te faire ceci, ton truc va devenir comme ça et va balayer en un revers de la main, toi, tous tes efforts que tu as faits jusqu'à présent. Tout ça pourquoi? Parce que tu as un manque de confiance en toi. Ça dit que tu, ça dit que tu, ton, toi-même, ton travail, ça dit que tout ce que toi-même tu as abattu, tu ne prends pas ça au sérieux et tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui est venu faire que ça soit comme ça là. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Ne sais pas si il me fait comprendre. Donc, mais en ce qui concerne le spirituel, a des gens qui sont spirituels. Il y a des gens qui ont vraiment des visions. Parce que ceux qui croient aux ancêtres, gens qui croient aux ancêtres, les ancêtres les visitent, ils disent hein, que les ancêtres les fait voir les choses. Et ceux qui croient en Dieu, ils disent que Dieu les fait, les révèle aussi les choses. La preuve, on nous fait comprendre que la Bible a été écrite par les hommes. Est-ce que les hommes écrivaient dans la Bible les avaient été révélés par Dieu, le Père Tout-Puissant? Donc, c'est-à-dire que tous ces noms que vous entendez, les Vapiens, les Évélitiques et tout ça là, tous ces noms-là, Déutéronome et tout, c'est les gens qui dormaient. Et puis,
Dieu t'envoie des révélations. Et puis tu te lèves, tu commences à écrire. C'est comme ça que la Bible a été inspirée. Oui. Et encore de nos jours, il y a les gens qui parviennent. Tu peux dormir, tu fais un songe. Moi, par exemple, moi qui vous parle, moi, je fais des songes qui se réalisent. Je fais des songes qui se réalisent. Et je peux aussi t'expliquer un songe. C'est-à-dire que tu peux rêver, tu fais peut-être un rêve bizarre que tu n'arrives pas à comprendre. Tu m'expliques ton rêve. Je te donne l'explication de ça. Et tu vas voir que ce que je t'ai expliqué, ça va servir. Par exemple, je vais vous expliquer un rêve que moi j'avais fait. J'étais encore petite. J'avais quel âge? J'avais entre 10 et 11 ans. Je me suis levée le matin. J'ai dormi. J'avais rêvé qu'il y avait un grand deuil dans ma famille. Et que nous tous, les petits enfants, dont les enfants de mon oncle, de mes tantes, nous tous, on était habillés en blanc, 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 blanc. Même mes tantes, ma mère, mes oncles, tout, nous tous, on était habillés en blanc, blanc. Je me suis réveillée le matin. J'ai dit à ma mère, tu as eu ton père depuis, tu es parti voir ton père depuis. Parce que nous habitons en Bambi. Mon grand-père, qui est le père de ma mère, habitait à quoi? À la rue Bébé Idi. J'ai dit à ma mère, est-ce que tu allais rendre visite à ton père depuis? Ma mère me dit non, pourquoi? J'ai dit que parce que j'ai fait un rêve bizarre. Je lui ai expliqué le rêve. C'est comme ça que ma mère se lève, elle dit que, ok, je vais même aller là-bas. Elle avait même prévu d'aller là-bas, elle va aller là-bas parce que j'ai même envie de lui demander quelque chose. C'est comme ça que ma mère se lève. Elle part à quoi pour voir son père. Mon grand-père s'est levé le matin. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui avait les basses. Ovado. Il avait les plantations de bananes à Loum et à Pinja. Grand-père, il était plus qu'un bambé dans ces endroits-là. Ils étaient deux, son petit frère et lui. Leurs parents sont morts, leur père est mort tôt. Ils sont restés avec leur mère. Et lui, il a décidé de chercher l'argent. Il a envoyé son petit frère à l'école. Son petit frère est sorti sous préfet. Mon grand-père, lui, cherchait l'argent. Il était actionnaire à la CNPS. Je vous parle ici du père de ma mère. Il paraît que mon grand-père s'est levé le matin. Il s'est apprêté. Il devait aller effectivement à la CNPS avec son chauffeur. Il est bien descendu. Il était dans la voiture. Après, il a dit au chauffeur que, attends, il est remonté. Entré dans sa chambre. Dans sa chambre, il avait les toilettes dans sa chambre. Il est entré dans sa chambre. Il s'est assis sur le bidet de sa chambre. Il s'est assis là comme ça. Là. C'est comme ça qu'il a rendu son dernier souffle. Maintenant, ma mère arrive à quoi? Elle trouve le chauffeur en bas, tonton Makembe. Elle le trouve en bas. Elle dit que papa est en haut. Elle dit que papa était là maintenant. Il vient de monter parce qu'on devait même sortir. Sorti par la CNPS, mais il est monté, il m'a dit que il a un peu mal au ventre, il va aller en haut. C'est comme ça que ma mère monte. Quand ma mère monte, elle appelle papa, papa, elle va directement dans la chambre de son père, elle trouve la porte de la chambre ouverte. Son père n'est pas sur le lit. Elle dit papa, papa. C'est comme ça qu'elle va dans les toilettes. Elle trouve son père comme ça. Elle commence à crier. Donc mon rêve que c'est pour vous dire que le rêve que j'avais fait, j'ai dit à ma mère, c'est arrivé.
Effectivement, au deuil de mon grand-père, on était tous habillés en blanc. Donc, comme pour vous dire que, il y a aussi des rêves que tu peux faire, c'est-à-dire qui te révèlent des choses. Donc, il y a des gens qui sont spirituels. D'ailleurs, moi, je suis jumelle à la base. Je suis née avec un garçon. Sauf que lui, il est parti à 2 mois. Et ma mère me disait que c'est moi qui l'ai tué. Que parce qu'il passait le temps à lui donner des coups de pied dans le berceau. J'ai dit que oui, mais parce que lui, il me fatiguait. Il ne fallait que me dire que viens, on part. Moi, il n'aime pas ça. Il dit que si tu veux partir, pars seul. Moi, je vais rester. Je vais affronter. Donc, c'est pour vous dire que le spirituel, donc, c'est pour revenir à notre sœur Laure Camille. Donc, elle peut voir les choses. Peut-être qu'il n'explique pas ça de la même manière, mais son côté spirituel, je ne balaie pas ça totalement. Elle peut voir des choses. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens qui ont révèle les choses. Maintenant, j'ai entendu certains dire que, mais pourquoi est-ce qu'elle, on ne lui révèle que des mauvaises choses? Chose, mais ça dépend, à chacun sa branche. Peut-être elle, on lui révèle ça pour qu'elle parle, pour qu'elle parle et qu'elle sensibilise et que ça essaye de sauver certains bon nombre de personnes naïves. Naïves. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, toutes ces organisations-là, le plus souvent, c'est certaines personnes qui veulent abuser des autres. Par exemple, je vais parler de quelque chose. Nos coutumes. Pas que je ne crois pas à nos coutumes, hein. Je crois à nos coutumes parce que je veux croire coutumes. Mais en même temps, je vous dis aussi que nos coutumes là aussi, quelque part aussi, c'est un mythe. Ce n'est pas trop ça, mais c'est un mythe. C'est un mythe pourquoi? Parce que c'est nos coutumes. Pour moi, ça devait rester comme ça. Ça devait continuer à rester un mythe. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on révèle ça, on montre les revers de ça dans tout le monde entier. Je vais vous expliquer un truc. Chez mes frères de l'Ouest, là, quand on parle d'histoire des funérailles, que wow, après 10 ans, après combien d'années, il faut venir déterrer le crâne, tu donnes à manger, si tu ne fais pas ça, tu auras des malheurs, tu auras ceci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire. Parce que c'est nos coutumes. Mais tout ce qu'on dit qu'il y a après, derrière, là, c'est faux. Pas ça. Là, c'est les gens du village que quand ils veulent manger. Et ce qui m'énerve, c'est que noir met toujours la méchanceté dans tout. Tu vas voir un groupuscule de gens au village. Tu vas voir un groupuscule de gens au village. On va dire que le fils de papa Jean, là même, depuis que papa Jean est de peur depuis 1900, il n'est jamais venu nous donner à manger ici, là. Hein? Il pense que quoi? Hein? Il pense que quoi? Il faut qu'il vienne nous donner à manger. Il faut comme ça que les mauvaises ondes sur toi. Les mauvaises ondes sur toi. La mal bouche sur toi. La mal bouche sur toi. Parfois, c'est la mal bouche, les mauvaises ondes. Ça te fait, tu n'es pas. Même, normalement, quelqu'un même. Laissons même que la coutume. Normalement, quelqu'un. Toi-même, quand tu es assis et que tu ne pries pas, tu ne fais pas les choses, les prières pour demander à Dieu de te protéger et tout, et que les gens sont tous là, tous les, tout le temps, ils sont la malbouche sur ton nom.
tu t'assois. Parfois même, tu t'assois, tu te mords la langue parce que les gens sont en train de parler de toi. Hein? Parfois, tu marches en route même, tu ne vois pas la voiture qui est en train de venir te cogner. Comment parce que les gens sont en train de... Ce n'est pas la sorcellerie. C'est les ondes négatives. Vous avez compris, non? C'est les ondes négatives des Africains. Oui. Qui, à cause de leur méchanceté, parfois à cause de vouloir manger. Donc, tu vas voir, c'est comme ça que le fils de Papa Jean, là, tellement on est au village, on écrase son nom, on écrase son nom. Son père est mort depuis, il ne vient pas déterrer nos clans, il ne vient pas nous donner tout ce qu'il fait, il n'est même pas concentré. C'est comme ça que sa mère même va le fatiguer au téléphone. Ah, on me fatigue ici au village, hein, hein. Il n'est pas concentré. Jusqu'à ce qu'il parte te donner à manger, là. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est qu'il n'y a rien derrière. C'est les ondes négatives. On va dire que non, c'est les esprits, que, c'est les ondes négatives. C'est partout, c'est pareil, même chez nous. Parce que c'est nos coutumes, parce qu'on a grandi comme ça. Même nous, l'impact. Après un bon nombre d'années, quand tes parents sont morts, il faut que tu organises une messe de requin. Tu donnes à manger aux gens. Oui. Sinon, on va écraser ton nom comme ça. Hey, Dieu. Ton nom sera écrasé. Et même là, tu vois même ce qu'ils sont devenus là-bas même. Les mêmes mortes ici depuis. Maman, ça fait combien d'années aujourd'hui? Hein? Même pas une simple messe. Hein? Ils sont même là-bas en Europe. Ils font les ondes négatives sur toi. Les ondes négatives. Mais en même temps, les rites qu'on fait et tout, moi j'aime ça. Parce que c'est notre coutume. Ça reste un mythe. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, on a un peu trop ouvert ce qui pouvait aussi faire. C'est-à-dire que nos mythes là, aux Occidentaux, je vois aujourd'hui, on prend les temps, on les amène, et même les gens de l'Ouest sur qui on peut même encore compter. Vous prenez les temps, vous les amenez, vous les montrez même comment est-ce que on paie. Ils sont là, ils regardent. Ils sont bien mythes. Comment vous voulez encore que vous allez encore les effrayer avec quoi? Sinon, là, tout vu. Vous allez encore les effrayer avec quoi? C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le monde. Nous, les doigts, là, alors, n'en parlons plus. Hé, maman. Chez les Sawa, alors, n'en parlons plus. Le monde que vous voyez là, ça n'a plus. Aucune puissance. Rien. Niet. Parce que vous ouvrez tout. Waouh. Hein? Vous êtes en train de faire les rites du Ngondo. Longtemps, on est assis là. Et regarde. Vous lui montrez quoi? Qu'est-ce qu'il va encore? Faut tout garder le mythe. C'est une chose particulière qui fait que. Oui. C'est vous, arme nucléaire, vous n'avez pas. Aucun élément de défense, vous n'avez pas. La seule chose que vous aviez aussi, que vous pouvez même dire que, oh, toi là, si tu me tentes, hein, si tu me tentes, hein, je fais comme ça, là, tu disparais. Jusqu'à la personne prend peur. Vous les avez montré que. Il est 9h07, moi, il est parti. Vous les avez montré. Montrer, c'est vous qui organisez le festival, vous les montrez, et vous en avez montré comment on fabrique la main nucléaire. Pourquoi est-ce que l'Afrique sera toujours esclave? Parce que vous n'avez rien pour vous défendre. Les pays qui ont de quoi se défendre là, ils font les relations collatéraux
C'est ce qu'on dit, non? Oui. Voilà. Les relations collatéraux. Voilà. Vous voulez les relations collatéraux que vous basez sur quoi? Hein? Vous allez vous appuyer sur quoi pour discuter de égal à égal. C'est ça qui manque à la paix. Mais pas ça. Et comme ça ne suffit pas, maintenant vous épousez même leur truc. La maçonnerie, oh, Rose-Croix, c'est pas notre truc. Hein. Nous, on avait notre truc. Que vous avez montré que ça ne vaut rien. Que c'était juste le bluff. Parce qu'ils savent que c'est le bluff. C'est la raison pour laquelle ils sont venus vous proposer les leurs. Hein? Est-ce que me fait comprendre? Comme pour vous là, vous avez banalisé, vous les avez montré, vous avez tout fait. Devant eux, ils ont déjà tout vu. Ils ont compris qui Aka. Ils ont compris que c'est le bluff. C'est pour ça maintenant que ils vont vous proposer les leurs. Et là, les leurs, là. Parce que pour vous, là, vous allez encore les effrayer avec quoi? Vous les effrayez avec. Avant, tu pouvais les effrayer. Hein? Tu les frais. Quand tu mets tes accessoires traditionnels, tu tiens le bâton là comme ça, là. Il se place devant toi. Hein? Tu fais comprendre que si je secoue le bâton si comme ça, tu as dit que tu es sérieux, dans ton sérieux. Que si je secoue mon bâton si comme ça, ton âme et toi, vous allez disparaître. Et comme c'est les gens, quand ils veulent quelque chose chez vous, ils vont tout faire pour avoir. Ils ont essayé de tirer, vous allez secouer, ils ont tiré une balle sur votre tête. La balle vous a pris. Ils ont compris que leur pistolet est plus fort que. Que donc, ils vont comprendre que parce que vous n'étiez pas organisé. Parce que vous, les Africains, vous n'êtes jamais organisé. Quand on vous voit organisé, c'est dans la promiscuité, c'est dans les ngandas, c'est dans les histoires des showbiz. Et c'est là où ils vous ont. Les musiciens, toute la nouvelle génération de musiciens au Cameroun aujourd'hui, là. Les maisons de production, c'est les Baki. C'est les grandes maisons de production, là. Universel. Quand tu signes à Universel, pas, ils t'obligent aussi à entrer dedans. C'est ça qui est ça. Quand tu signes à Universel, alors que vous pouvez avoir, vous pouvez vous-même, vous les Africains, vous organiser, avoir vos propres maisons de production, promouvoir vos musiques, promouvoir votre jeunesse. Mais tu vas voir un jeune va te dire que non, il va gonfler que moi j'ai signé avec Universel, je suis à Universel. Dans Universel, voilà, tu dis à Rafat, disque d'or. Yes. On s'est mobilisé ici pour que DJ Arafat puisse avoir le disque d'or. Le disque d'or là est où? C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Laissons même l'Afrique. Le noir, je ne sais pas si c'est un malédiction. Sans créance, ils vont restreindre ma page les jours siens. Parce qu'il dit que ne tais plus. Ne tais plus. Oui, on est fatigué. Il dit que oh, on va voir nos enfants grandir. On va voir nos enfants grandir. Jusqu'à quand? À force de vouloir les voir grandir, ils vont partir à 33 ans. Bientôt même, 33 ans, ils vont encore descendre. Ils vont encore baisser l'âge. De 33 ans, ça sera à 20 ans. De 20 ans, ça va arriver à 16 ans. Il va continuer à rester là pour dire qu'on veut voir nos enfants grandir. Quittons même l'Afrique. Allons regarder nos frères dont on avait vendu les ancêtres aux États-Unis. Nos frères, les Noirs américains, là. L'esclavage a été aboli.
Il y a eu la libération, le moi est libre. Mais eux, ils sont concentrés dans quoi? Toujours dans la distraction. Du tout ce qui savent émerger. Le noir danse. Pendant que le jeune japonais ou le jeune coréen en train de réfléchir que le monde ici qui est en train de devenir comme ça, il faut qu'on ait une puissance, il faut qu'on soit prêt. Quand les Américains peut-être vont décider demain que il faut qu'ils nous prouvent qu'on a du répondant. Le noir est dans la discrétion. Le noir, tout ce qu'il sait faire, c'est chanter dans le micro. How are you? You love me. Oh my dear baby. Oh papa papa. Pam 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 pam. Oui. Après, tu vas les voir. Ils vont faire les yo 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 yo. Women, yo men. What is it with men? We yes men. Après, dans la drogue. Après, c'est les prisons. Après, c'est les taux, taux, taux entre eux. Mais ils vont te dire comment ils ont signé avec les grandes, toujours les grandes maisons de production. Je pense. Tupac est mort à quel âge? Tupac. Il est mort à quel âge? Dès qu'on voit que tu es en train de monter en puissance, tu commences à monter en puissance. Ils vont tout te casser. Oui. Parce que vous êtes dans la situation. Si on prend l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson. Un beau, bel enfant. Regardez Michael Jackson. Bel enfant. Joli garçon de ses parents. Quand il était encore avec ses cheveux bien métissés, un beau teint, il commence, il monte. Quand l'argent commence à entrer. Parce que eux là, dès que tu prends l'argent, il faut les redonner. On a commencé à lui faire croire que wow, si tu avais la peau claire, tu allais encore être plus que. Si tu avais la peau d'ici, là, c'est ce complexe là qui nous tue. Ouais. Et c'est comme ça que tu es en train de voir. Si tu arranges un peu ton nez devient comme ça. Parce que l'argent là, il faut que tu le retournes. Aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vais aller chercher mon argent. Et maman, c'est l'esclavage. C'est à ça qu'on est destiné. Oui. Nous, les Noirs, on a dit que on va que rester que dans l'esclavage. On a fait comment? C'est à ça qu'on est destiné. C'est dans ça qu'on est là. D'aucuns vont passer, ils vont dire que celle-là est pareille, elle dit même quoi de bon. Ils vont pas prendre mon message sur rien. Pourtant, je suis en train de me conscience. Les Africains, vous devez arrêter vos combats individuels. Il est temps. J'ai dit. Et les étrangers, c'est là qui partagent le loyer avec moi. Ici, là. En avant. Ouais. Vous partagez le loyer avec moi. En avant. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va intervenir là. Sandra. Sandra, je suis. Maro. Oui, attends. Oui, attends, je mets les écouteurs. Mets les écouteurs. Maman, ce sont les mouches que tu tues comme ça là. Oui, ils me fatiguent, je ne les aime pas. Maman, tu as seulement la rage avec les mouches là. Je ne supporte pas les mouches. Ouais. Maman, si tu viens à la maison, il y a les mouches. Les mouches.
Les mouches ont envahi même ma chambre. Je dis qu'il y a les mouches Allez, partout. je viens de tuer deux. Voilà encore l'autre. Ils sortaient même souvent ou non, ma. Ça qui sortent d'où? Tu sais que les Tout mouches, est c'est. fermé, toutes les portes sont fermées, ils sortent d'où? Tu les Maman, tues, tu ils ne apparaissent. peux pas te rendre compte que les mouches, eux, ils sont partout. Même là où tu ne les attends pas, ils sont là. Hey. Même là où tu ne penses pas qu'ils peuvent être, ils sont là. Maman, C'est ton vrai que ça, sujet, c'est comment? quoi? Tu sais que je suis allée à accompagner les enfants à l'école. Mon sujet, en fait, c'est plus l'éveil des consciences de l'Africain en général. Tu Oui, comprends? oui. Voilà. Parce que je me rends compte que nous, les Africains, on croit trop à tout et à tout, et on se laisse trop aller et on se laisse trop manipuler parce que on a trop des esprits faibles. Tu comprends Oui. un peu ce que je veux dire? Et on a banalisé nos propres cultures, nos propres cultures, oui, qui étaient pour nous un mythe. On a tout ouvert, on a tout montré, on tangane, je vais coder, tu comprends un peu. On a tout montré, on tangane, où le tangane aujourd'hui, c'est que c'est du pipi des chats. Alors que c'était quelque chose auquel on pouvait les faire peur aussi avec. Tu comprends? Les faire peur. Oui, les faire peur avec. Donc, ça devait rester un mythe pour eux. Bah, ils savent que qui, en Afrique, c'est comme ça. Oh, si tu fais comme ça, ceci va t'arriver. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Parce qu'on les a tout ouverts. On les a tout montrés. Donc aujourd'hui, ils n'ont peur de rien. Quand ils vont en Afrique, tu les vois, ils entrent partout. Ils partent partout comme Hé, ça, tout hey, comme maman, rien. attends, je reviens. Il y a ton beau-frère qui m'appelle. Il revient, maman. D'accord. Oui, vas-y. Vas-y, maman. Donc, c'est ce que j'étais donc en train de dire. Et moi, je m'énerve. Mon Dieu, tu as quelque chose. Tu comme ça là, tu ne vois même pas. Après, je vais encore voir l'autre. On ne sait même pas, je ne sais même pas d'où il sort. Donc, mes amours de rose et rosée, moi je vais plus tarder, je vais partir parce que ça c'est des sujets que si je veux rester ici là pour les débattre, on va rester ici toute la journée. Donc je vais conclure mon direct ici et peut-être demain matin je reviens encore là parce que maintenant. Moi, je suis sur l'éveil de conscience de toute la vie en général. Parce que les combats que vous menez individuellement là n'aboutiront à rien tant que vous, les Africains, n'avez pas compris que c'est ensemble que vous devez vous mettre afin de faire un bloc pour pouvoir aussi avoir un bon bloc de défense. Parce que c'est ce qui manque au continent africain. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les gens peuvent venir chez vous, se servir comme ils veulent. Vous êtes juste obligé d'accepter les miettes qu'on vous donne. Et quand on vous donne ces miettes-là, vous qui êtes à la tête des pays, hein, vous êtes tellement égoïste que vous ne pensez pas. Vous mangez bien, vous dormez bien, vos enfants sont à l'aise. Si les autres meurent, ce n'est pas votre problème. Voilà. C'est pour ça que
ceux qui sont à la tête du pays, tant que eux, les intérêts ne sont pas touchés, ils s'en foutent. D'accord? Ils s'en foutent. Donc, c'est vous le bas que les Africains, tous en général, ensemble, il faut faire un bloc. Oui. Vous n'avez, les Africains, ils n'ont aucun élément de défense. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un, s'il y a un leader qui se lève et qui dit Afrique unie, par exemple, on a vu le cas de Kadhafi, vous avez vu? Mais si Kadhafi, il est seul dans son combat, s'il est seul, si c'est l'air, il tient un truc et qu'il est seul, il n'est pas soutenu. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. On a vu Assimi Goïta mener un combat de titans, mais tu vas voir d'autres pays africains qui le tapent dessus alors qu'on devrait le soutenir. On devrait le soutenir. Voilà. Les Africains, ils vous manquent un moyen de défense. Ce que les autres continents ont, vous n'avez pas. Oui. Tant qu'un continent n'a pas de nucléaire. Oui. Vous ne pouvez pas. Là, il dit que oh, vous voulez les relations bilatéraux. Bilatéraux, bimoulé. Vous allez faire bilatéral. Vous allez vous baser sur quoi? Vous faites des relations bilatéraux. Vous allez parler avec quoi? Hein? Ils vont vous dire que non. Et ils vont venir prendre la force. Et quand ils vont venir prendre avec la force là maintenant, et ils vont vous donner ce qu'eux, ils veulent vous donner. Donc, ils vont dire que c'est 10%. À prendre ou à laisser, sinon vous faites quoi pour vous tous? Vous n'avez rien pour vous défendre. Et il fait comment? Donc, quand j'attends souvent les gens disent que oui, les accords doivent s'arrêter, maintenant on va faire les relations bilatéraux. Bilatéraux avec quoi? On parle de bilatéraux quand vous êtes sûr de vous. Puis, quand ton ennemi t'attend là-bas, là, il dit que oh, tu es sûr que chez toi, là, tu as ta matière bien armée. Voilà, tu es prêt à ta matière, tu l'attends, non? Hein? Voilà, tu sais que s'il vient là, il fait gnac, tu mets sa tête à tête, non, pac! Vous n'avez pas ça. Hein? Est-ce qu'ils peuvent aller faire bilatéraux avec la Chine? Ils peuvent aller parler de bilatéraux. Ils peuvent aller, est-ce qu'ils peuvent aller faire ça avec la Chine? La Chine va dire que c'est bilatéraux. Ça dit qu'on se parle de ta. Puis, voilà, tant. Vous ne voulez pas vous laisser, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas. Oui. Parce que le continent africain n'a aucun moyen de défense. Alors que c'est chez vous qu'il y a tout. Le combat en Afrique. Tout ce qu'on prend là, pour faire le nucléaire là, c'est en Afrique que ça sort. C'est chez vous. Et ce n'est pas ces gens qui manquent. L'Afrique regorge des intelligents, mais ils sont un. Et la majorité sont ici. Et quand ces gens-ci sont tellement intelligents, non, ils n'allaient pas. Ils sont tellement dotés d'une intelligence que quand un comme ça, là, qui est africain, il sort, on voit qu'il est hyper intelligent. Il s'asseye de eux. Et s'il assis pas en Afrique, nous on est mort. On lui donne un bon poste là tout de suite que le gars assis. Le gars assis. Et c'est votre frère. Il en est fermé. Paf. Il le ferme. Paf. Ce n'est pas parce qu'on l'aime trop. Hein. C'est parce qu'il ne faut même pas que l'idée de venir reproduire ça chez vous. Parce que eux, c'est les intérêts d'abord. L'intérêt de leur progéniture, de génération en génération à venir. C'est ce que nous, nos dirigeants, n'ont pas. Nos dirigeants ne pensent pas à l'intérêt de toute une nation, de tous les peuples. C'est ça.
Mais eux là, hey. Maman, Le RSA qu'on donne aux gens aujourd'hui, ici en France, c'est vos aïeux qui ont combattu pour ça, anciens combattants. Vos aïeux, vos parents, vos grands-parents qui ont combattu. Donc, africain, au lieu de rester dans la discrétion, dans la pauvreté, dans les histoires données debout, à nous chamailler, à faire des combats individuels, oui, aujourd'hui, tel doit partir, demain, il est temps. Je voyais vos stratégies de combat. Je voyais. Il y a un génie africain qui sort quelque part, qui a l'amour du continent, tous les Africains doivent être derrière nous pour le soutenir et combattre les traites. Que je n'ai pas les noms ici, je n'ai pas m'attirer les amis, mais beaucoup connaissent qui sont les traites en Afrique. Présentement, en Afrique, on a deux traites. Ils sont les deux là-bas, sont en Afrique du l'Ouest, de l'Ouest et là-bas. Et ceux qui combattent à ces niveaux, moi, je ne dis pas les noms, vous les connaissez. Donc, c'est ça. Et avec ça aussi, on a besoin aussi de la spiritualité africaine. C'est cette spiritualité africaine. C'est pour ça que je soutiens l'or Khamenei. Parce que si, pendant ce temps, où nos enfants, notre jeunesse doit être habitée par cette spiritualité africaine. Ils sont encore détournés par les soi-disant, entre parenthèses, loges des menteurs. Donc, l'or Khamenei, je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. Il faut parler. Maman, il faut venir parler. Faut venir parler. Vous m'expliquez comment aujourd'hui, dans notre Afrique, toute une jeunesse veut devenir influenceur. Ils vont aller à l'école. D'aucuns même, hein, le français de ça. Donc, nous-mêmes là, on a arrêté en route. On dit qu'on se bat pour que nos enfants aient parté loin. Hein? Eux aussi, ils arrivent. Il dit qu'ils vont arrêter qu'en route. Donc, nous, on va écrire le mauvais français. Eux aussi vont venir écrire le mauvais français. Mais ils voient souvent les tests qu'ils font, maman. Hein, les posts qu'ils font. Comme on a toujours trouvé au clavier, là. Tous veulent devenir influenceurs. Tu t'élèves le matin, TikTok. Ils sont là, influenceurs. Oui, 1 million de vues. Oh, 50 millions. Voilà notre jeune frère qui est parti. 1 million de vues à TikTok. Maintenant, il a fait quoi? Il va faire quoi avec maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il y a 1 million de dollars. Voilà ce qui reste. Si ce n'est pas pour vous distraire. Parce que quand j'ai regardé mon jeu de frère là, c'était un gars intelligent. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'asseoir comme ça et créer un scénario. C'est quelqu'un qui pouvait aussi créer des grandes choses s'il avait eu cette opportunité. S'il avait eu cette opportunité, c'est-à-dire sur ses pieds, il y avait tout le nécessaire pour se retrouver où il croyait qu'il se retrouve. Non. Il a parlé qu'on le fasse de qu'il s'arrête à devenir un clown. Oui, c'est ce que j'appelle ça. Un clown. Un qui anime la galerie. Qui anime la galerie. Oui, créateur. Ils ont tous les gros noms qu'ils donnent. Au créateur de contenu. Créateur de contenu, il brûle. Les contenus là, maintenant, il laisse à qui? À 33 ans, il part comme ça. Un il part ça. L'avenir, il y a beaucoup de choses derrière. Et vous dites qu'on ne doit pas parler. On parle, je vois les gens qui viennent nous dire que le travail, c'est que. Nous, on vous parle de l'avenir.
Abîme. Tous aujourd'hui veulent devenir des TikTokers. L'école ne leur dit plus rien. Avant, un enfant pouvait rêver de devenir médecin. Un enfant pouvait revenir devenir ingénieur. Un enfant pouvait rêver de devenir tous ces beaux métiers que vous connaissez là. Aller même travailler à la NASA. C'est à lui là. Les Camerounais n'auront même plus personne à la NASA. Les Camerounais qui étaient réputés des intelligents. Des intelligents. Hein? La majorité de ces intelligents-là aujourd'hui vont être réduits aux créateurs de contenu. Je m'en vais aux créateurs de contenu et que nous, on ne doit pas parler. Créateurs de contenu, là, ça doit être pour les ratés. Voilà, c'est-à-dire que les gens que l'école a dépassés, ils se cherchent. Hmm? C'est ça qui doit être dans les créateurs de contenu. Mais pas un enfant. On me dit que ce garçon est là à l'école. Ça veut dire qu'il avait quand même les diplômes. Hein? J'ai dit que le créateur de contenu, là, ça doit, on doit laisser ça. C'est pour les débrouillards. Mais aujourd'hui, tu vas trouver quelqu'un avec une licence 4. Il est gardé à la maison. Il est sur Internet. Il fait les vidéos TikTok. Il fait créateur de contenu. Eh ben! Et c'est comme ça que tous ces petits frères qui vont venir derrière, ils vont dire que mon grand frère va à l'école jusqu'à les diplômes là qui sont restés à la maison là-bas. Hein? Il est sur TikTok, il a 1,5 million de vues et d'abonnés. Il a 2 millions d'abonnés. Il gagne beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas fait quoi à l'école. Moi-même, il est devenu créateur de contenu. Et c'est comme ça. Vous n'aurez plus des génies. Et c'est comme ça que des génies vont disparaître. Et vous pensez que l'Afrique va s'en sortir quand? Parlons de ce livre. Parce que s'il reste ici, là, il peut parler jusqu'à... Parce que j'ai trop dit. Je peux parler jusqu'à... Je vous jure que... L'amour de Didier Arafat m'avait parlé. Mais ceux de mon frère, si, ça m'a encore touché. Je suis restée comme ça. Je dis que merde. C'est grave. On ne se rend pas compte. C'est grave. On ne se rend pas compte. Mais c'est grave. Donc nous, on va travailler. Aller laver les maisons des blancs. Laver les caleçons. Et chanter. Les couches de leurs parents et tout ça pour que nos enfants, pour le bien-être de nos enfants, pour qu'ils finissent venir être créateurs de contenu. Pour qu'ils finissent là, pour venir devenir créateurs de contenu. Bonjour. La paix là, je vais revenir sur ça. Donc, ma soeur Laure Kameni, si tu m'écoutes, continue à nous révéler les choses. Oui. Comme ça, là. Si ça peut les effrayer et que ceux qui doivent prendre conscience, prennent conscience, et ceux qui avaient seulement l'intention d'entrer dedans, qu'ils aient peur. Je dis que continue. Même si ce n'est pas vrai, continue dedans. Il faut les effrayer. Parce que c'est vrai et ça existe. Oui. On vous a abruti. Un abrutissement. Hein? Non, et ma chaîne tri, c'est le travail de quoi? Les femmes, si ce n'est pas créateur de contenu, c'est vendeur de produits cosmétiques. Quelques produits cosmétiques là, que vous avez vus, avec toute la jeunesse qui est au Cameroun, la majorité qui a besoin de formation. Non, quand vous avez vos agents, hein, vous ne pouvez pas créer des. À une époque, nous, on avait nos mamans là. Moi, j'avais ma tante qui regardait comme ça seulement. Tac, elle te sort une robe. Parce qu'il y avait les ateliers de couture. Aujourd'hui, les ateliers de couture, même, il n'y en a plus. Hein? Les petits ateliers de couture où vous pouvez canaliser
Parce que tout le monde n'a pas aussi le cerveau. Hein? Ceux-là, qui le cerveau ne part pas trop à l'école. Vous les canalisez dans des petits centres de formation par-ci. Non. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est ouvrir des instituts de beauté. Institut de beauté. Qui dit institut de beauté dit apparence physique. Donc, ça a toujours trait à la promiscuité. C'est moi qui ai dit ça. Si on demande qui a fait le son, c'est moi qui ai fait le son. C'est moi qui ai fait le son. Et je vais faire ce son-là maintenant. Chaque temps que j'ai le temps. Même si vous êtes deux, je vais parler. Je vais parler. Tu vas me voir les gens qui se disent intellectuels dans les réseaux sociaux. Nous d'autres, on peut dire que oui. Nous, on peut demeurer à laver la maison. C'est notre niveau. Oui, parce que bon, on ne peut pas demander grand chose. Mais on peut quand même faire des. Il y a aussi des formations. Moi, j'ai fait des formations. Moi, je suis là, ce que je fais là, je fais ça parce que maintenant, ça m'arrange et je règle mon temps comme je veux. Tu peux pas me dire que tu vas te donner ta chance sur les réseaux sociaux. C'est toi qui parles le gros français. Hein? Le gros français qui tourne dans ta bouche, maman. Hey! Il faut les voir moraliser les gens. Le gros français qui sort dans ta bouche. Vous partez souvent lire les dictionnaires avant de venir nous fatiguer ou bien c'est comment? C'est comment? Mais c'est toi qui es là. Tu es dans discussion des étoiles Facebook, discussion des abonnés. M'en pas, j'ai un restin. M'en pas, j'ai un restin. M'en pas, j'ai un restin. Ta camarade a sorti produit cosmétique. Toi aussi, c'est dans produit cosmétique. Finalement, elle va acheter produits cosmétiques, on va acheter pour qui et puis on va laisser pour nous-mêmes. On va acheter pour qui et puis on va laisser pour qui. L'intelligence, là, Dieu t'a donné ça pour toi. Hein? Alors que tu peux faire des choses pour ton Afrique, pour ton beau pays. Non, mais tu es assis sur Facebook avec, tu viens manquer des résultats, tes aînés. Tu nous assois. Tu prends ça, tu nous malaxes comme ça, tu nous laves comme ça là, tu nous prends ici là, tu nous amènes ici là, tu nous ramènes ici là, tu nous amènes ici là, tu viens, tu nous déposes quelque chose. Même à Facebook là, ensemble. Je créateur de contenu. Hé, ma page est restée. Je m'en vais. Parce que je peux passer la journée ici. On en a marre. Oui. Non. On ne peut pas parler. Je vais voir mes enfants grandir. Je vais voir. Les voir. Voilà. Vous allez les voir grandir. Ils vont arriver à 33 ans. On va les faire comme ça. Tac, 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 tac. Oui. Pendant que tu attendais que, wow, mon enfant va même sortir ingénieur quelque part. Wow, mon enfant va même travailler ici. Wow, mon enfant sera docteur quelque part. Il va venir te dire qu'il est créateur de contenu. Dans créateur de contenu, là, on vous dit que l'argent, c'est le diable, vous ne comprenez pas. On va commencer à lui proposer que, oh, parce qu'on a vu son étoile. Hein? On va lui proposer, oui, un contrat d'un million, tu me fais, tu vas faire la publicité de tel. Dans un contrat d'un million, là, quand quelqu'un enlève un million, il te donne, c'est qu'il a gagné moins de 3 millions derrière. C'est trop bête. Oui. Bête. Quand quelqu'un enlève un million, il te donne. C'est que derrière, il a gagné au moins 3 millions derrière. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à demain pour un autre direct d'éveil de conscience africain. Parce que c'est ce que moi je fais maintenant. Oui. Parce que quand je vois la jeunesse partir, Madame Cooper, elle est partie, elle avait quel âge? Madame Cooper, c'est aussi tragique. Elle nous dit que oui, cause naturelle, quand naturelle, une vie moule, et bien là, qu'un enfant est bon pourtant, moi j'ai mal au ventre, pas. Et après, elle a eu une autre petite comédienne qui est morte aussi là. Et vous voulez que nous restons, on va continuer à les voir partir comme ça. Oui. Je vais voir mes enfants grandir. Je vais voir mes enfants grandir. Oui, ils vont grandir. Oui, oui. La mère de Catherine Nancy aussi, elle aurait voulu voir, continuer à voir son enfant grandir, se marier,
marier, lui faire des petits-enfants. Mais dommage. Maman Tina aurait voulu continuer à voir son bébé manger le dimanche avec son bébé You et ses petits-enfants. Les enfants grandir. Continue. Femme africaine. Là, les gars. Parce que vous avez dit que non, c'est ça. Vous mentez. Les nôtres même qui sont ici, hein, avec ce qu'ils voient qui arrive là. Si on n'arrange même pas notre Afrique là, que, quand on va trop les fatiguer ici, au moins ils seront partis dans notre Afrique. On a fait comment? Parce que vous avez dit que les enfants n'y ont jamais, les enfants n'y ont jamais en Afrique. Vous savez même ce qui arrive là. N'arrangez pas vos pays d'origine prévoir le futur de vos enfants. Restez là que mes enfants sont nés ici et moi j'ai rien voulu. Vous savez ce qui arrive. Vous savez. Restez là. Dormez. Et ma maison, ça grandit. Dormez. Bonne journée. Je vous aime. C'était moi. Votre seule et unique rose d'Afrique. Oui. Ouais. Moi-même, là, j'ai été touchée par le Saint-Esprit. Alors là. Le Saint-Esprit m'a tapé dans le top. Il m'a dit que tu fais quoi dans le Komoussa? Avec tout le potentiel que tu as. Avec tout le charisme que tu as. Hein? Qui est captivante. Quand tu parles, on t'écoute. Tu fais quoi dans le Komoussa? Sors du Komoussa! Viens parler les choses importantes. J'ai dit que, ok, je réponds à la peine. Je réponds à la peine. Voilà. Donc, vous le Komoussa, vous me cherchez là-bas. Je suis délivrée. Je suis désenvoûtée. L'envoûtement du Congo, ça que vous avez mis sur moi là. J'ai enlevé ça. Je suis désenvoûtée. Oui. Parce qu'à la lune que je vois là, 33 ans. Et après, ça va descendre à 20 ans. Après, ça va arriver à 16 ans. Hein? Sans compter ceux-là qui meurent dans la Méditerranée, qui meurent partout dans les routes. Parce que, soi-disant, ils viennent chercher l'Eldorado. L'Eldorado, c'est où? C'est où? Hein? Alors que nous devons lutter pour notre continent. Oui, pour notre continent. On a un très beau continent. Ces gens-là, s'ils pouvaient tout tuer et prendre notre continent, ils vont le faire. Vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Bonne journée. C'était moi.